J'espère que vous avez fait bonne route. Et ben, bienvenue à Chambord et bienvenue au stage photo qui va commencer donc dans ce lieu qui est fantastique. Hein, et pour la petite anecdote, c'est un spot photographique qui se prête aussi bien le matin que le soir. On va abandonner dans un premier temps les vélos pour commencer le stage à deux pas d'ici, dans la forêt, juste là. Un stage spécial nature, hein, donc en profitant justement de la beauté de la forêt que nous offre le château de Chambord et son parc. En fait, le photographe n'est qu'un compositeur, il compose avec la réalité. C'est ça le plus important, c'est d'essayer de mettre son ressenti sur une image. Donc là, tu vas faire un réglage plutôt manuel avec ta main. Parfait. On va se retrouver d'ici une heure à Saint-Dié, au petit port de Saint-Dié, au bord de Loire. Je vous dis bonne route et à tout à l'heure. Après Chambord qui était fantastique, là on finit le stage en bord de Loire. Avec une lumière particulièrement éblouissante. Ouais, là, il y a une lumière qui est terrible. 3-5, 4-5, c'est... Tu veux dire quoi, ça? Alors, ça, c'est, c'est la qualité d'ouverture de cet objectif. L'ouverture, mais on a toujours un œil sur la vitesse, comme l'homme et la femme, etc. L'un de l'autre. Ouverture et vitesse. On vérifie toujours. Voilà, là, tu corresponds. Essaye à ce que l'horizon ne soit pas trop penché. Voilà, en plus, ça a bien travaillé ton ciel. Regarde comme il est bien tourmenté. Il est beau. Hein. Ah, il est beau, il est magnifique. Tu vois, on dirait du renouard.